J'aime assez, moi, le week-end. J'aime assez le week-end parce que le week-end, tu commences la matinale quand tu veux. Tu peux la faire très tard. Alors, déjà, on va commencer par aller partager. Est-ce qu'on est sur le bon truc? Oui. J'aime assez, moi, le week-end. J'aime assez le week-end. Je vais me mettre un petit peu de travers comme Le ça. week-end, tu commences la matinale. Voilà. Quand tu veux. Partager, c'est la matinale. La matinale du 5 mai. 5 mai. On va mettre 2019. Et on va partager. C'est quoi ce désordre? Public. Facebook. Dans un groupe. Tu sais que tu bosses chez Orange. Et partager maintenant. Voilà. Est-ce que c'est sûr? Oui, c'est public. Ok. Ça c'est fait. One shot c'est fait. Qui est là? Salut Evangeline. Tiens, j'ai pensé à toi hier. Parce que tu es au générique de Avengers. Hier j'ai été voir Avengers et j'ai vu que tu étais au générique. J'ai pas reconnu d'ailleurs. Je sais pas où. Evangeline, Lily, il va falloir aller regarder. Où ça en est? Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, j'étais rentré dedans, je sors. Est-ce que tu as vu le froid qui fait? Salut Arnaud, comment tu vas, mon ami Arnaud? Arnaud de Nîmes, Eh oui, comme c'est bien, hein? C'est clean quoi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Michael, 4 degrés ce matin à Toulouse, ouais, je te dis pas à Paname. Bah écoute, on peut demander, non? ok Jingo, quelle température il fait aujourd'hui à Paris? Aujourd'hui à Paris. Le matin, le temps sera variable. Durant l'après-midi et la soirée, de rares averses à prévoir. La température actuelle est de 10 degrés. Le thermomètre affichera entre 8 et 12 degrés. D'accord. Ah ouais, on te voit chérie, on te voit quand tu fais... Ok, coucou, ça va, ok. Merci, hein, merci Jingo, laisse tomber la neige. Donc 10 degrés, c'est pas mal. Donc toi là-bas, c'est... Ouh là là, 4 degrés dans le sud, c'est énorme. Christelle Pelletier, bienvenue chez toi, c'est la matinale. Ouais, d'accord, je sais, il est 11h, mais quoi, c'est le week-end. En plus, il fait froid, on a du mal à sortir du lit. Et je t'ai mis un bon fond d'écran. En fait, c'est un fond d'écran. Je voulais mettre les matinales. J'ai cherché tout à l'heure sur la chaîne YouTube les matinales de Dans le temps, des premières matinales, pour te les mettre là. Et puis finalement, j'ai trouvé ça que c'était une superbe image. Alors je t'ai mis ça sur mon téléviseur. Et puis ça me permet ça, de me rappeler le temps où je mettais les matinales avec le son derrière, comme ça. Je sais d'ailleurs pas si le son est correct. Oui, j'ai vu, c'est super. Voilà. En fait, il faut faire beaucoup, beaucoup d'imagination. Imaginez qu'il fait super chaud, il fait 35 degrés, et voilà, t'es pas là. T'es là, et voilà, donc ça te rafraîchit. Ok? Très bien. Donc matinale du 5 mai, aujourd'hui on est dimanche. On est dimanche, et ben, chacun fait ce qui lui plaît. Chez soi. Salut Flo, comment tu vas? Alors, hein, pour Dubaï ou le Sénégal? Je te vois Flo, ben, je pense obligatoirement au challenge. Voilà, salut. Ah oui, 6 degrés à Ascot, là-bas du côté de la Grande-Bretagne où se trouve Evangeline. Salut Manono. Eva Petit Poisson qui est là, Michel Tomara qui est là aussi. Beaucoup de vent à Nîmes, ben, dis donc, c'est une météo, on a une météo nationale. Christelle Pelletier, je l'ai dit. Pascal, salut les jeunes. Nora qui est là. Michael qui a dit un truc. Fela et aussi est là. Fela Hammer. Salut Christophe, c'est Flo. Ouais, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire les anniversaires. Figure-toi qu'il fait super froid dehors. Il fait froid, mais dedans il fait bon. Il fait très très bon. Et j'ai pas voulu ouvrir pour pas faire sortir la chaleur. Alors, je sais pas s'ils ont rallumé le chauffage ou quoi, mais je trouve qu'il fait. Chérie, est-ce que tu as trouvé qu'il faisait froid cette nuit? Chérie! Coucou! Est-ce que tu as trouvé qu'il faisait froid cette nuit? Ouais, d'accord. Elle a fait non. Non, elle est là-bas. Bah écoute, on fait les anniversaires. Hein? Alors, sur celui-là, ça va sauter. Il me faudra un autre téléphone. Bon, tant pis. Je vais le faire comme ça. Ouais, ok. Merde, comment je fais? Il y a de plus en plus d'anniversaires maintenant. Moi, je te le dis, c'est chaud. Hein? Dimanche 5 mai 2019, on retiendra un jour très très froid. Il paraît qu'il y a 20 ans qu'il n'a pas fait aussi froid que ça aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Romu Henry, à Bruno Dessaigne, mon cher Bruno, avec qui j'ai bossé là-bas. On était à, comment ça s'appelait, la boutique de la Trinité. Bruno, ouais, qui est à la retraite maintenant, ou en TPS quand même, hein, parce qu'il est trop jeune pour aller à la retraite. Voilà, à Frédéric César, à Éric Daubois, à Johan Lowe, à Hélène Billon. Oui, Hélène, joyeux anniversaire à toi, Hélène, qui est à ODS. Je m'arrête à chaque fois que je connais les personnes. Enfin,
Je vais pas dire ça parce qu'il y en a qui, des fois, ils vont dire, pourquoi tu t'es pas arrêté alors qu'on se connaît? Eh ben, les personnes que je connais et que je me rappelle que je les connais. Oui, non, mais parce que, tu sais, voilà, la mémoire, hein, tu sais toi-même. Tiens, celui-là, il saute à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi il saute d'ailleurs comme ça. Joyeux anniversaire aussi à... Ah, j'étais arrivé à Hélène Lyon. À Élodie Marchais, Éric Journaud, Roger Mac, Frédéric Pilato, Tom Vanier, Yves Remorse. Yves Remorse, tu crois que c'est son vrai pseudo? T'as vu comment ça sonne? Parce qu'en fait, quand tu lis, c'est Yves Remorse. Mais quand tu lis, quand tu le dis, ça fait Yves Remorse. Je ne sais pas si c'est son anniversaire. J'ai des doutes. À Séverine Bapaume, David, à Alexandre Herbert, à Wardia Amour, à Jessie Gérard, à Gira Annick Weber. Je ne comprends pas pourquoi ça saute celui-là, ça m'énerve. À Cédric Angels, à Emilia Glass, à Nicolas Mélanie Sertier et à Gilles Mbognier. Voilà, les amis, vous prenez un an de plus. Eh ben, écoutez, profitez, profitez, on le dit tous les jours. Il faut vraiment au maximum profiter de tout ce que tu as envie de faire, de prendre le bonheur, chaque minute, chaque étincelle de bonheur que tu... Hop, tu la chopes au passage. Et là, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'il faut faire. Merci Nono pour tes happy birthday. Je ne peux pas les passer, je peux juste les montrer. Alors je les montre parce qu'effectivement, quand tu vas sur la chaîne YouTube des agrumes et que tu veux repasser les anciennes matinales, tu n'as pas les commentaires. Donc tu regardes ça sans les commentaires. Bienvenue à Morgane Lebert, à Frédéric Clay, Philippe Drouet qui est là aussi. Éric Journaud, merci beaucoup. C'est ton anniversaire aujourd'hui, mon ami. Flostre Eva Petit Poisson. J'adore Eva Petit Poisson. Je ne sais pas si c'est ton vrai nom, mais Petit Poisson, c'est bien. Ça fait sympa. Voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Ben, je crois qu'hier, on avait parlé un petit peu du prix des téléphones. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre dans le résumé. Voilà. Dis-moi ce que tu penses du prix des téléphones, des smartphones aujourd'hui, le prix que ça atteint. Je ne sais pas, d'ailleurs, on peut demander. Ben, j'allais demander à Jingo le prix des téléphones. Non, ce n'est pas la peine. Ne lui demande pas, ce n'est pas dit qu'il sait. Nono, avec plaisir, toujours à la main, sans copier-coller. Mais oui, ma Nono, toi, tu es au top, tu es au top, tu es au top, tu es très, très au top. Ma Nono, par contre, j'ai remarqué une chose, ou alors c'est moi qui ai au niveau de mon horaire de matinale, mais je ne t'ai plus dans les matinales pendant ton chemin pour aller travailler. Parce que maintenant que je sais à Sky 56, c'est un peu moins loin que là où tu allais avant, je vois bien le trajet, je me dis, en plus, les beaux jours arrivent, je me dis, ben, ma Nono, comment se fait-il que je n'arrive pas à te choper? Donc, ben, je vais changer un petit peu, je vais changer ma façon de faire. Hein. Dès demain, je refais une matinale à l'ordinateur avec générique et tout ça. En plus, il y a Anis qui a sorti un nouveau titre, donc il y a un petit teasing que je vais utiliser pour les génériques et je vais essayer de te skyper. Il faut juste que je tombe au moment où tu es sur la route parce que j'imagine qu'après, quand tu es au bureau, c'est un petit peu plus chaud. Voilà. Oui, le prix des smartphones, j'en parlais hier, je crois. Je me disais que c'était, on a largement dépassé le truc du SMIC et que aujourd'hui, on a l'impression que lorsqu'on parle de téléphone, on ne parle que des. Je suis en vacances là, en plus, je suis bien malade. Oh mince, qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as, ma nono? Oh là là, nono est malade. Allez, on lui apporte de la soupe. Et si j'étais à Lyon, je t'apporterais de la soupe. Tu sais pourquoi? Parce que dans les films américains. Quand quelqu'un est malade, on lui apporte de la soupe. Je sais pas, j'ai vu ça l'autre jour, je me suis dit, bah ouais, pourquoi? Bon, ben c'est comme ça, on te donne de la soupe parce que tu es malade. Bon, ben écoute, je te souhaite un prompt rétablissement, ma belle. Lundi prochain, avec grand plaisir, on se Skype. Donc lundi, voilà, lundi prochain. Ok, j'ai vu, j'ai vu. Salut Mariella, comment tu vas? Ah Mariella, tu commences à devenir une inconditionnelle de la matinale. J'adore comme ça quand je reconnais des gens qui arrivent et qui repartent. Ben voilà, c'est bien, c'est la famille. Bon, normalement, c'est plus tôt. Normalement, là, on est vraiment sur on est presque à l'apéro. Enfin, on est sûrement à l'apéro. Yann qui est là aussi. Salut le Didounet, comment tu vas? J'ai la grippe, ça fait 3 jours que j'ai la fièvre et que je dors tout le temps. Merci beaucoup, Christophe. À mon avis, Nono, tel que je te connais, tu veux pas te soigner, tu veux pas mettre la forte dose sur les antibiotiques ou ce qu'il faut pour soigner efficacement. Tu te dis, eh ben tant pis, mon corps se battra tout seul. Ouais, bah tu vois, ça fait 3 jours. Hein. Faut y aller. Bon, je remarque, je dis ça, et puis, ah, moi, j'ai mal au dos. Demain, je retourne chez l'ostéopathe. Hein. Il avait dit, revenez si vous n'êtes pas guéri. Bah, non, je suis pas guéri. Hein, j'ai encore mal au dos. Hier, j'étais voir Avenger. J'ai dû rester 2h50 assis. Crois-moi que c'était assez chaud, mon ami. C'était assez chaud. Salut, Julien Duhou. D'ailleurs, je me suis en train de me demander, est-ce que l'image, elle est dans le bon sens? Parce que salut Noël! Noël, tu penses que tu es encore en Corse? Enfin, j'espère pour toi, parce que le froid qu'il fait ici, c'est quelque chose.
Comment je peux voir si c'est si c'est. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse ça, voir. Ah non, non. Peut-être. Alors dis-moi, est-ce que tu vois l'image dans le bon sens? C'est-à-dire que quand je fais ça, ça, c'est ma main droite. Est-ce que toi, tu vois que je lève la main droite? Voilà, c'est tout simple. C'est parce qu'avec avec le Huawei, j'arrive pas à mettre l'image de face, là, à la mettre de bonne. Ah, dans le bon sens. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, elle est dans le bon sens. Merci, Manono. Super. Ok, donc on parlait des smartphones et du prix des smartphones. Dis-moi ce que tu penses du prix des smartphones et surtout de la politique aujourd'hui qui veut qu'on achète systématiquement les. Comment on appelle ça? Le top de chaque marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore en vente, mais un S8, par exemple, de Samsung, ben on considère que c'est de la misère, quoi. Un iPhone 7 ou même un 8, bon, ben ouais, ok, d'accord, ouais, c'est limite moyen, quoi. On s'en fout un petit peu. Voilà, donc qu'est-ce que tu en penses? Et puis, sans compter qu'en dehors de ça, même sans être sur les flagships, iPhone ne le fait pas, mais sur Samsung, par exemple, il y a des gammes en dessous qui sont pas mauvaises, hein. Moi, je me rappelle du A50 qu'on avait manipulé en matinale avec André et Benjamin. C'est un téléphone très top. Ah, merde, Arnaud dit que c'est inversé. Alors, il faut vous entendre. Nono dit que c'est droit, Arnaud dit que c'est inversé. Alors, attends, je te montre cette image. Regarde en haut de l'image, c'est marqué en direct. Est-ce que tu arrives à lire en direct? Si tu arrives à lire en direct, là, ben c'est que c'est dans le bon sens. Il faut vous entendre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, on a parlé de quoi? Ah oui. Alors attention, les amis, demain, demain, c'est le 6 mai et c'est le début du Ramadan. Donc, bien entendu, je souhaite un bon Ramadan. Beaucoup de courage à tous ceux, celles et ceux qui vont le faire. Je me souviens qu'il y a 3 ans, je l'avais fait comment on appelle ça, en solidarité avec mes amis de confession musulmane. Ça avait été une véritable épreuve. Je m'en souviens encore aujourd'hui. C'était très très chaud. Donc franchement, je croise les doigts et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et beaucoup de tranquillité, d'apaisement pendant cette période qui est, à mon avis, enfin qui est difficile à passer, mais qui fait tellement de bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, demain commence aussi le fameux procès France Télécom. Alors, est-ce que c'est le procès France Télécom? Oui, c'est le procès France Télécom avec à la barre Lombard. Je cherchais le prénom. Je sais plus comment il s'appelle. Didier Lombard. Didier Lombard et puis d'autres personnes de l'époque sur une page très très difficile d'Orange, une page que ceux qui étaient là dans ces années-là ont vécu plus ou moins avec plus ou moins d'impact. Alors, c'est quand même une période où on va parler de France Télécom dans les médias, on va en parler, à mon avis, enfin assez durement. Ça va réveiller en nous des souvenirs. Voilà, chacun va se positionner là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on reste soudé. Faut quand même qu'on pense aussi qu'aujourd'hui, les choses qu'on va juger sont des choses qu'il n'y a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le climat est quand même différent. Même si tout n'est pas rose, c'est quand même différent. Et aujourd'hui, c'est orange. On est soudé, on est une famille, on est des agrumes et tout ça. Donc, il faut rester ensemble plutôt que de s'éparpiller, parce que je pense qu'on va être sous le feu des projecteurs de ceux qui, tout ce qui est la presse, les journalistes, essayer de savoir, d'avoir des trucs. Et tout ce qui est croustillant à ce niveau-là peut être, on va dire, tout de suite mal interprété. Donc, enfin, bref, on serre les coudes. Voilà, ce sont des choses à suivre. Mais bon, c'est, je l'espère, quelque chose qui n'arrivera plus. Et surtout que justice sera rendue dans les différents, enfin, par rapport au procès qui approche. Voilà. Donc, ça, c'est à partir de demain. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde, j'ai le téléphone, il est là-bas. J'irai bien le chercher. Attends, je vais chercher l'autre. Oh, punaise! Voilà. Non, j'en ai toujours un qui me. C'est celui-là, c'est le P20. Pourquoi il me dit saisir votre code? Pourquoi? C'est parce que je veux regarder le cours de la communauté des agrumes. Alors, combien on est? 11 719 membres. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes qui rentrent. Je suppose que c'est toujours des agrumes qui invitent des amis. Alors, surtout, surtout, surtout bien penser à leur dire que tu les as invités. Salut Matititi, salut Catherine, salut Lionel Stifler, salut El Mansouri Mohamed. Je remonte, non, il n'y a personne là-haut. Et Alain Smereki qui est là. Oui, il faut toujours leur dire parce que souvent, j'ai encore l'autre jour, je regardais, j'ai réussi à trouver ça. Il y a plus de 1500 personnes qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire qui n'ont pas accepté la demande,
En fait, toi, tu les invites, mais maintenant, c'est plus automatique. J'ai vu ça chez Facebook. Lorsque toi, tu les invites, bon, déjà, il faut que j'accepte. Donc, si j'accepte parce que c'est quelqu'un d'Orange, que la personne, pendant un mois, si tu veux, je crois que c'est ça la période, pendant un mois, elle observe ce qui se voit, elle peut voir le groupe, si elle y va, bien sûr, et elle peut accepter ou refuser d'en faire partie. Alors, c'est important quand même de le dire, de les prévenir, de dire, voilà, tiens, je t'ai invité sur le groupe. Tu vois, là, je vois une demande, donc ça, c'est des demandes, voilà, invitées par la fée Lily, vendredi. Parce que comme ça, la personne est attentive au truc et puis s'attend à ça. Sinon, ben, c'est surprise, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Donc 11 719 membres, sachant qu'il y a 1 500 membres qui sont en attente, je vais dire, on pourrait grimper très rapidement. Ceci dit, le but, c'est pas de faire 1 658 000. Oui, Arnaud, ben, écoute, à bientôt, j'espère à bientôt. Amuse-toi bien, profite de ton dimanche et puis surtout, des bisous chez toi et puis à toute l'équipe de Nîmes là-bas dans le Smart Store au top. Allez, à bientôt. Ouais, je disais, le but n'est pas d'arriver à 20 000, encore que si on arrive à 20 000 rapidement, je pars à la retraite tout de suite. C'est pas tout à fait l'ambition. L'ambition, c'est d'être nombreux à partager, c'est que chacun puisse apporter sa petite pierre à l'édifice. Que tu viennes là, pas parce que c'était obligé, mais parce que tu as envie de passer un bon moment, ou venir chercher une réponse à une question, ou venir nous parler tout simplement de qui tu es, de ce que tu fais. Voilà, c'est ça le but. Et que plus on sera de fous, en tout cas d'agrumes, eh ben, mieux ce sera. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça. Voilà, hello les agrumes, j'ai un petit souci sur une enceinte Harman Kardon Omni 10 achetée en boutique en décembre. Quand je suis en Bluetooth, on dirait que l'enceinte est blablabli, blablabla. Faut-il appeler le 3900? Ou voir directement avec Alman Cardon. Voilà, tiens, ça par exemple, typiquement, une entraide. Enfin, un renseignement sur un produit. Ah oui, hier, j'ai passé. Comme je faisais mes petites statistiques, je regardais un petit peu sur les statistiques. J'ai vu que dans la semaine, donc du lundi au samedi, il y a eu 44 nouveaux membres. Donc, j'ai voulu les mettre à l'honneur. Et donc, j'ai fait un post où j'ai dit, ben, bienvenue à vous, les gars et les filles. Et puis, voilà, quoi. En fait, ce qui serait bien, c'est parce que j'ai pas le temps, ce qui serait bien, c'est que à chaque fois qu'il y a des nouveaux membres qui sont à l'intérieur, bon, évidemment, on va pas leur demander de se présenter, mais ça serait l'idéal que chaque nouveau membre qui arrive, oui, bonjour, je suis un tel, je travaille à tel endroit, voilà, moi, je suis comme ci, comme ça, voilà, une petite présentation, ça serait super, parce que bah, plus ou moins, ça nous donnerait une idée, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, ça serait que moi, en fin de semaine, par exemple, au lieu de faire un post comme ça, c'est que je mette les photos de profil de tous les nouveaux. Tu vois, mais c'est un job. L'idée, elle est là, mais c'est énorme, quoi. Quand je vois le temps que je mets déjà pour recueillir les changements de photos de profil, les espèces de diaporamas que je mets de temps en temps, je me dis que là, si je faisais ça me prendrait encore plus de temps. Mais ça serait une bonne idée, je pense, parce que... Attends, qu'est-ce que je vois un truc là sur un article de merde. N'importe quoi. Enfin bon, bref, ça serait une bonne idée, tu vois, de mettre à l'avant les nouveaux, parce que comme ça, ben, on sait qui est là, etc. Et puis ce qu'il peut apporter au groupe, quoi, ça peut être toujours intéressant. Voilà. Alors, à la suite, qu'est-ce que j'ai encore ça, c'est qui ça? Alors, c'est Cédric Angels qui a partagé une publication sans aucun commentaire, de Lionel Valentini qui a partagé un lien. Alors ça, j'aime pas. En général, j'aime pas les liens partagés comme ça d'un journal. En plus, là, attention, le site, c'est un site, tu vois, quand tu vois WordPress, machin, je pense que ce qui est bien, c'est que quand tu as des articles comme ça, c'est d'aller le lire, de prendre la peine d'aller le lire, de te faire une idée et éventuellement de le partager en donnant ton avis. Si c'est juste partager pour partager, franchement, ça sert à rien. Et typiquement, c'est typiquement le genre de moment où j'ai envie de modérer, de virer, parce que tu vois que l'article n'est fondé sur rien. Tu vois que les sources, bah, rien n'est, on peut rien vérifier. C'est plus, je vais dire, pour balancer des infos comme ça dans le réseau, histoire de dire, bah voilà, je fous mon troll. Les scientifiques du monde entier signent un appel pour arrêter le déploiement de la 5G. Déjà, rien que le titre, il est hyper racoleur, les scientifiques du monde entier. Enfin, je sais pas. Enfin, typiquement, c'est voilà. Je crois que je vais rajouter une catégorie de modération qui s'appellera fake news.
Parce que, enfin, je sais pas, quand on veut partager une info, ben, partage-la en donnant un peu ton avis. Tu prends une photo, tu lis l'article et puis tu commentes, toi. Et puis encore, faut-il que tu te fasses une idée qui soit valable, quoi, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Salut Terry Tal, salut Dimitri Leroy, salut Rosalie. Rosalie de Nice, eh oui, on s'est rencontrés, je me souviens, ça fait déjà un moment. Ça fait déjà un moment, mais j'ai hâte de revenir à Nice. D'ailleurs, ça ne devrait pas très tarder que je revienne. Voilà, toujours un petit mot pour une petite pensée pour Bouchra Maoui qui nous a quittés. voilà, ça c'est la matinale ici. Alors Céline avec sa machine, alors ces petits trucs rigolos, ok. Le poste de Sonia Banderne qui continue, 203 commentaires, pas mal, pas mal, pas mal. On va y arriver. Je te rappelle quand même pour les nouveaux et le meilleur poste dans la communauté des agrumes, toujours imbattu à aujourd'hui, c'est un poste de Céline Mazan, où elle a un poste qui date, hein, c'est vraiment ça remonte, je sais pas si c'est pas plutôt 2015 dans ces eaux-là, où la question c'était qu'est-ce que je vais dire? La question c'était remplace merguez, remplace un mot dans un titre de film par merguez. Et ça donnait par exemple vol au-dessus d'un nid de merguez, etc. Le poste a fait 3000 commentaires. Voilà, pour te dire. Et ça a été le truc, jusqu'à présent, on n'a jamais dépassé ça. Alors, et pourtant, on était moins nombreux. Mais alors, je t'explique. On s'est pris au jeu et tout le monde est allé dans le truc. Ce qu'il y a eu, c'est qu'ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire des postes pareils, qui n'ont jamais été. Oh, bah super, tu arrives. YOLO! Non, mais viens, tu vas me parler d'Avenger. Tu veux pas dire? Allez, sois sympa. Mais viens là, viens ici, dire. Oh, ouais, d'accord, n'importe quoi. Voilà, non. Je voulais faire un petit sujet Avenger avec Juan, mais elle veut pas. Donc voilà, depuis beaucoup de gens essayent de faire le même type de poste, mais c'est pas gagné, c'est pas gagné. Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais une connerie. Mais voilà, il y a aussi le fait que on se dit, bah, pourquoi je le ferais? Pourquoi je le ferais? Salut Barbara Story, salut Bernadette Clémenc. Michael qui nous dit, je vais partager un lien qui renvoie vers un autre lien qui renvoie vers un premier lien. Alors ça, en plus, c'est un petit peu le principe des fois de Twitter où les gens retweetent. Ça, je fais gaffe sur Twitter à retweeter si j'ai envie de retweeter avec toujours un commentaire. J'essaye toujours de donner mon avis, bien ou mal, hein. Enfin, bien ou mal. On n'est pas un avis mal, c'est-à-dire dans le sens ou pas dans le sens, mais j'essaye de donner mon avis quand je retweete. Parce que retweeter simplement, en fait, j'imagine, c'est comme si tu prenais le journal, tu le prends le journal, on ne sait pas si tu l'as lu et tu le donnes. Tu vois? Donc, ouais, quel, ouais, alors quoi, oui, comment? Voilà. Donc, on en était là. Évangeline, je vous abandonne. Ok, bon dimanche à toi, Évangeline. Et n'oublie pas, on compte sur toi. Barbara Story est là, Bernadette Clément qui est là. Et j'avais vu quoi? J'avais vu quoi? Bon dimanche, Dimitri Leroy. Salut, Dimitri. Alors attends, je reviens sur le groupe. J'étais en train de parler donc du poste fleuve, des nouveaux. Ça j'ai dit. Cédric Angel, ça je vais le virer. En fait, je vais rajouter ça dans le truc de la charte. Les articles, bon, effectivement, quand tu partages l'article du Monde ou du Figaro, encore que ça ne veut rien dire, tu peux te dire, ouais, bon. Quand tu partages un article sans mettre ton avis, enfin, ce que tu en penses, moi, j'équivaut, c'est comme si tu faisais mais c'est même pas une revue de presse, parce que on sait pas ce que tu penses. Donc, tu balances un truc, et voilà, un mur de. Ton mur perso peut être ça. Ça peut être, bon, bah, je récupère des articles et je dis à mes amis, tenez, voilà ce qui est écrit dessus. Après, quand c'est un article qui parle d'orange, à la limite, je vais dire, ouais, ok, on parle d'orange quelque part, je partage. Encore que c'est bien que tu dises ce que tu penses, parce que des fois, il y a des articles sur Orange qui disent des trucs, c'est des analyses, toi-même, tu es étonné. Regarde là récemment, Orange Bank, banque numéro 2 des nouvelles banques, voilà, j'ai vu pléthore d'articles là-dessus. D'ailleurs, on aurait pu dire, un seul, ça suffisait. Voilà, mais lis-le et essaye de dire, voilà, bon, ok, je pense ci, je pense ça. Voilà. C'est bien de donner son avis. Donc ça, on va le faire sauter avec la charte prochainement. Donc aujourd'hui, bonne fête à toutes les Judith. Voilà, si tu t'appelles Judith et qu'aujourd'hui c'est ta fête, sache que c'est aujourd'hui ta fête. Donc voilà, j'espère que ceux qui sont autour de toi vont te faire un gros gros bisou, etc. etc. Judith, moi j'en connais. Ah si, j'en connais, j'ai une cousine qui s'appelle Judith. Elle est au Gabon. Et si on l'appelait en direct, hein? Et c'est là où Jingo intervient, où je dis, ok Jingo, appelle-moi Judith. Je me retourne vers lui pour voir s'il va réagir, il réagit pas. Salut Chamallow, Chamallow est avec nous. Chamallow, c'est ma jumelle. Il y a Agnès qui est là aussi. Oh là là, mais que des gens bien, que des gens bien. Ça ne veut pas dire, voilà. Non, mais c'est bien, ça fait toujours plaisir. Emiling,
Oula, Ingelheer au vrai. Ça me fait énormément plaisir. Tu vois, quand je disais que ça, je le vois en vert ici, alors que sur le iPhone, c'est en blanc. Ça fait toujours plaisir de voir. Ah, t'as vu le décor? Nickel, hein? J'adore, j'adore. Tu sais, j'avais pas envie de prendre le Mac, de monter tout le matos que je fais avec le fond vert. J'ai dit, tiens, je vais me mettre devant la télé. En principe, la fréquence d'enregistrement et la fréquence de la télé sont la même, c'est-à-dire que l'image ne bouge pas comme des fois. Et donc, je dis, ça, c'est super, c'est bien. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, en fait, c'est ça. Je ne sais pas si beaucoup le voient parce qu'il est noyé dans le noir. Je vais mettre l'étiquette devant. Voilà, c'est le petit Jingo qui l'accompagne. Ah, mais si tu étais là au début, tu aurais vu que je lui ai demandé la température. Allez, reviens en arrière, on est où là? Donc c'est la fête à toutes les Judith. Judith, aujourd'hui, pense à toi et fais-toi chouchouter. Bon, c'est la fête au Napoléon, qu'est-ce que je me raconte là? Ouais. Ah non, c'est Christine. Christine, elle met toujours la fête, Judith, mais elle fait toujours une petite page d'histoire. C'est bien, pour ceux qui aiment l'histoire. Alors, Maximum qui dit, voilà, c'est pareil. Là, on est sur le partage d'un. Je te montre, hein, je sais pas si tu vois à l'envers. Tu vois, Maximum, il partage sans rien dire. Il n'y a aucun mot, c'est juste dit 5G, Orange se rapproche de Dell Technologies, le monde informatique. Je pense qu'on va y réfléchir avec les modos pour voir un petit peu ce genre de partage direct d'articles de la presse, enfin de dehors, comment on les traite. Parce que André, je sais qu'André le fait aussi, sauf que lui, il lit l'article déjà. Déjà, il lit l'article et il donne son avis. Tu vois? Et ça, c'est important. J'y tiens, je sais que je me rappelle. Je me répète. Théo Constant, bonjour. Hervé Guillebeau qui est là. Agnès, comment ça va? Est-ce qu'il fait aussi froid à Toulon, j'allais dire? Oh là là, j'arrive pas à me détacher de Toulon. À Draguignan, est-ce qu'il fait toujours aussi froid? Hélicoptère, c'est le temps d'un instant, j'ai pensé que c'était Bruce Banner. C'est vrai qu'il lui ressemble, le machin. Christophe Boiteux, qui a participé, pub Kinder Country, ok. Georges Loret, l'Apple Watch. Voilà. Georges, il a partagé l'Apple Watch. Un habitant de Tours est pris en charge aux urgences. Et il dit, l'Apple Watch a aidé une personne grâce à la fonction ECG. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en lisant son commentaire, son résumé, presque, t'as pas besoin d'aller lire l'article, tu es déjà au courant de ce qu'il y a dedans. Et ça, au moins, voilà, on est un petit peu mieux dedans. Alors, un sacré bashing des montres connectées par les cardiologues. Ah, et avec ça, je vais te dire, si demain on disait que les montres connectées pouvaient remplacer une consultation ou pouvaient te permettre de te rassurer quant à ton rythme cardiaque et ces trucs, je pense que ça ferait quand même beaucoup de tort et voire ça serait même dangereux. Et ça ne m'étonne pas que comment dirais-je, que la profession médicale s'élève en disant, oh là là, c'est pas bon ce truc-là. Voilà. Salut Martine, comment tu vas? Ma blonde. Ah oui, là, toi chez toi, il doit faire froid. Ouh Martine, ouh là là, j'imagine, là, peut-être que même il y a une petite fine couche de glace sur la piscine. Je pense, hein, voilà. Bon dimanche à toi, Barbara. J'adore Barbara. Tu sais, Barbara, que c'est le premier amour de ma vie quand j'étais tout jeune. Je l'ai raconté l'autre jour. Elle s'appelait Barbara. Elle avait de longs cheveux noirs. Et la peau laiteuse. Je ris parce que j'aurais pu faire une chanson avec ça. Salut Fatih. Merci pour l'info. Alors, l'info officielle. Alors, oh là là, c'est l'info de quoi ça? Ah, pour le Ramadan. Ok. C'est bon ça. Orange Bank, bah pareil, Maximone qui partage l'info d'Orange Bank sans mettre de commentaires. Enfin bon, bref. Passons, je ne regarde plus parce que ça m'énerve. Je suis comme ça. Quand un truc commence à m'énerver, ça n'arrête pas de m'énerver jusqu'au bout. Alex qui dit, j'ai déjà posté concernant, voilà. Ah oui, ça j'ai bien aimé aussi. C'est Alex Parnas qui a posé un problème. Je crois que c'est un rattachement d'offres mobiles avec machin. Et premier coup, il n'a pas eu de solution. En tout cas, les solutions qu'il lui a données n'étaient pas satisfaisantes pour lui. Donc il dit, je mets une deuxième fois mon cas et je vois dans les réponses que non, on ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors je dis, à un moment donné, Alex, bon, quand on te dit que il y a quelque chose qui n'est pas possible, bah, quelque part, c'est pas possible. C'est pas que plus tu demandes et plus la solution va arriver. Enfin, je dis ça, hein, je n'ai pas regardé ton cas en particulier, surtout que je suis incapable de donner la solution, c'est une histoire de raccrochage de forfait, ancienne formule, nouvelle formule, enfin bon, bref, voilà. Toujours est-il que, voilà, moi je connais, j'ai vu Sandra qui a dit que c'est pas possible là, et si Sandra le dit, à mon avis, je suis assez confiant dans son expertise de notre SI et de nos choses. Voilà.
Salut Nelly Patier, salut Cyril. Ah bah Cyril, ça fait un moment que je t'ai pas vu. Je suis passé deux fois à Opéra sans que je te voie. Mais c'est vrai que toi, pour te voir, faut aller dans les sous-sols. Enfin, pas les sous-sols, mais enfin, faut rechercher derrière. Il y a Laetitia Mauroy qui est là aussi. Bienvenue, c'est la matinale, hein, un peu tard, mais c'est comme ça. Bonjour, si je fais un poste pour avoir le numéro de toutes les jolies salariées d'Orange, ça passe? Ben non, mon ami, parce que comment j'allais dire, on n'est pas là pour faire la morale, hein, mais bon, je suis pas certain que ta femme soit d'accord. Mais si tu es venu là pour chercher ton âme sœur, il va falloir que tu sois un petit peu plus philo. C'est-à-dire dans le sens, tu commences à déjà à être présent sur le groupe et tout ça, et puis petit à petit, tu discutes avec les gens qui ne sont pas obligés de t'accepter en privé. Enfin bon, voilà, on est loin encore de l'orange mythique. Figure-toi comment dirais-je, j'avais dans l'idée ça, parce que ça c'est mon truc, c'est le truc ça me taraude depuis une vingtaine d'années, d'organiser, de faire une agence matrimoniale, enfin un club de rencontres, pas un site forcément. Parce que, en fait, je voulais le voir différent de ce qui se fait aujourd'hui, comme Adopte un mec, Mythique et tout ça, où c'est vraiment les algorithmes qui travaillent. Mais c'est par exemple, quand tu as beaucoup d'amis, et je peux dire que j'en ai beaucoup, j'en ai pas mal, j'en ai pas autant que je voudrais parce qu'il y a beaucoup d'amis Facebook que je ne connais pas dans la vraie vie, mais quand tu connais beaucoup de gens, je pense que je suis capable de me dire, tiens, un tel, je le connais, il est célibataire, une telle, je la connais, elle est célibataire, je les vois bien ensemble, et de ce fait, d'être le catalyseur, de faire en sorte que, bah, au cours d'un after-work ou au cours d'un truc particulier, bah, voilà, tu arranges les choses. Et ça, je pensais, il y a très longtemps, avant les agrumes, je me disais, putain, j'aimerais bien monter un truc comme ça, et surtout, dans des gens, faire des rencontres ou favoriser des rencontres des gens qui ne se seraient jamais rencontrés sans moi, enfin sans mon intervention. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un de Lille avec quelqu'un de Corse, bah, à la limite, à la base, c'est pas le truc facile. Ou même encore plus, c'est quelqu'un de France avec quelqu'un d'Afrique du Sud ou de Madagascar ou de Côte d'Ivoire. C'est beaucoup plus difficile et avec la garantie que je les connais l'un et l'autre. C'est-à-dire que si je connais, je vais prendre des prénoms au hasard, attention, je dis ça. Si je connais Pauline et que je connais André, c'est moi qui me dis, tiens, Pauline et André, peut-être que, pourquoi pas, et organiser des rencontres. Enfin bon, ben voilà, j'étais sur ce truc-là. Je te dis ça, hein, si jamais il y a quelqu'un qui veut me suivre dans cette histoire, je suis avec. Salut Gis, comment vas-tu? Ces histoires de clown, c'est comment? Maxime Dupuis, bonjour à toi, Sophie Lepel, les yeux. Je sais que tu jokes. On s'est raté. Je sais que tu jokes avec ton histoire d'orange mythique. Salut Guigui Hope. C'est qui Guigui Hope? C'est la première fois que je vois Guigui Hope. Ah non, c'est la première fois que je te vois Guigui Hope. Enfin bon, ben bonjour à toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, je sais que c'est une blague, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que souvent quand on dit comme ça, ouais, je suis célibataire, qui m'aime me suivent et tout ça, ensuite on reçoit des réponses, hein, garçon ou fille. Et après, c'est pas dit que tu te dises, oh là là, je me lance, parce que c'est chaud, hein. C'est hyper chaud. Moi, j'ai dit toujours, il faut être à la hauteur de ce qu'on avance, parce que quand tu dis, voilà, hein, après, il faut, voilà. Mais bon, c'est un sujet sur lequel je m'étendrai un autre jour, plus tard. Une photo de free avec un distributeur de cartes SIM en panne. Alors, nous, on s'est posé la question à la modération. Est-ce que c'était du dénigrement de la boîte, enfin de free? Parce que bon, on n'est pas des gens spécialement. On n'aime pas forcément dénigrer. Voilà. Bon, c'est dommage pour eux. Après, honnêtement, on joue pas dans la même cour. Encore que ce type de distributeur de cartes SIM, Orange en a. Hein. Orange en a quelques-uns à l'étranger, mais aussi en France. Si tu vas à Orly ou à Charles, non, je crois que c'est à Charles de Gaulle, on a deux distributeurs de cartes SIM. Alors, ces distributeurs de cartes SIM sont prévus. Ça s'appelle Orange Voyageur, Orange, je sais pas quoi. Ah là-bas, j'ai fait un article dessus, mais je me souviens plus du nom. Enfin bref, et d'ailleurs, je voulais lancer un petit concours pour tous ceux qui voyagent beaucoup dans le monde. Si vous trouvez un distributeur de cartes Orange, cartes SIM Orange, eh ben vous faites un selfie à côté, et puis voilà, comme ça, on saura où il se situe. Mais je sais qu'il y en a à Orly. À Charles de Gaulle, ah pourquoi j'ai dit Orly? Il y en a deux à Charles de Gaulle et ça serait bien de savoir. Alors, destiné aux clients étrangers qui, de passage ou qui viennent en France pour une petite durée, achètent une carte SIM avec de la data et des minutes de communication pour être client Orange. Voilà, comme ça. Et je m'étais dit aussi que, par exemple, pour quelqu'un qui est déjà client Orange,
France, le jour où il va, par exemple, je crois qu'il y en a au Sénégal ou au Mali, il arrive là-bas, ben, plutôt que de prendre une puce locale d'un autre opérateur, MTN ou je ne sais pas qui d'autre, eh ben, tu prends une puce locale Orange, eh ben, comme ça, on reste dans la famille. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est bon, ça, c'est les trucs. Le salaire avec Jeanne, ok. Alex, by Alex qui parle du MyPlug, première génération. Sébastien qui parle d'Orange Money, qui est une véritable réussite. Ça, c'est vrai qu'Orange Money, c'est un véritable... D'ailleurs, je suis étonné, on dit Orange Money est une vraie réussite. Et puis, lorsqu'on parle des chiffres en général, on dit, ouais, mais enfin, bon, bah, écoute, ouais, on essaie de minimiser la chose. Bah, je pense que pour connaître un petit peu l'Afrique, vu l'image d'Orange en Afrique, elle est plus véhiculée par les bienfaits, enfin, ce que a apporté de bien Orange Money, plus que par le réseau, par exemple. Parce que bah, Orange Money, quand on voit les tarifs de Western Union ou des autres qu'il y avait avant, comment ils se gavaient, Orange Money a rendu la chose vachement plus facile et surtout vachement meilleur marché. Et je ne parle pas des Fab Labs et des petits crédits et petits des machins qui a tout ça et là. Donc voilà, fier d'être Orange. Combien de temps j'y suis là? Salut Noémie, salut Aurélie Dabadi. Bah, je pense que je suis arrivé à la fin de la matinale. Hein. Je sais plus quoi te dire d'autre. Tout ça, on l'a vu encore et revu. Ah oui, Orange veut racheter les navires câbliers d'Alcatel. ASN, c'est Alcatel. Et alors, je savais que parce que j'ai été voir les gens du câble à Brest. On a un petit peu discuté d'Orange Marine. Orange Marine, ça s'appelle. Orange Marine qui a, je crois, 4 navires. Et je crois qu'elle a 2 navires aussi qui sont en sous-location, enfin un truc comme ça. En tout cas, je pense que s'il rachetait ASN, Orange deviendrait le plus gros, enfin celui qui pose et qui raccorde des câbles et qui les dépanne, sous-marin du monde. Parce que déjà, Orange avec Alcatel, c'est les deux français, c'était déjà le plus gros. Donc s'il rachète Alcatel, eh ben là on est à donf. Et c'est pas innocent parce que Orange Marine et les câbles sous-marins, je pense que il y a beaucoup de trafic qui va passer là de plus en plus et chacun va vouloir être dans le truc. Donc c'est toujours bon à savoir. Salut Jawad de Fuego, Caroline, bon dimanche à toi, et Wardia qui est là, et Sally Ben CF qui est là aussi. Dis donc, il y a du monde hein, le dimanche, hein. Écoute, profitez d'aller en famille, profitez bien, il est 12h01, c'est l'heure à laquelle je vais te laisser. On se donne rendez-vous demain, si tu as la chance, ou si moi j'ai la chance de te compter parmi ceux qui viendront regarder la matinale, eh ben ça sera un super plaisir. Puis sinon, profite bien de ta semaine. Couvre-toi parce qu'il va encore faire froid, une petite partie du moment. Eh ben on se quitte. Il n'y a pas de générique, donc je ne vais pas te dire on se quitte avec quoi. Je ne vais même pas te dire à Jingo de chanter une chanson. Hein. Non, je ne vais pas me lancer dans des trucs comme ça. C'est pas bon. En tout cas, prends soin de toi et puis surtout, le plaisir. Chaque minute de plaisir que tu prendras, ça sera toujours une minute qui va te rester à jamais. Allez, bye bye!